Salut, c'est Faudrage. Aujourd'hui, on se retrouve sur RimWorld. Alors, j'ai une nouvelle version du jeu. Donc là, j'ai chargé notre sauvegarde. Donc j'espère qu'on va pas avoir de problème, des bugs et tout ça. Donc voilà. Sur donc la mise à jour, ils ont plutôt bien réparé des bugs, des choses comme ça. Ils ont amélioré un peu le système de jeu aussi. La température et tout ça, donc voilà, en gros, ils ont pas rajouté grand chose. Donc ça dev je pense que ça devrait aller, ça devrait pas bugger. Donc voilà. Alors, l'épisode 3, c'était très calme, hein. On n'a pas eu d'attaque, ça a été très calme, on a pu continuer à construire tranquillement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de récupérer donc des ressources. J'ai un groupe de visiteurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est de récupérer des ressources, un maximum de ressources. Il nous faut aussi l'électricité obligée, parce que l'électricité, on en aura vraiment besoin. Et là, on se fait donc attaquer. On va se rendre sur les lieux. Alors ils sont 4, pause. Moi je veux savoir, ils sont, ouais, ils ont des pistolets et un corps à corps, donc ça va être, ils sont 4, donc ça va être assez chaud, je pense, à moins qu'on se met vraiment bien en mode défense. J'espère que j'aurai assez d'énergie. Vous savez quoi, on va détruire ça. On va détruire ça tout simplement parce que je veux absolument qu'il me construise l'électricité. Voilà. Faut que je fasse attention aussi qu'il ne nous attaque pas alors que je vois pas du tout. C'est bon, il lance l'assaut. Ils sont où exactement? Là, on va se mettre en position. Hop. Toi, t'as un couteau, t'aurais pas un truc. J'aurais bien voulu avoir un pistolet pour lui. Hop. On a des visiteurs. Alors, le pistolet, on va leur mettre un ici. Là. Là. Hop, on va le mettre ici. Le corps à corps, on va le laisser dans les coins ici. Et toi, tu vas te mettre ici. Voilà. Donc c'est parti. Alors ce qui est bien, c'est que nos visiteurs vont aussi défendre. Ok, il s'enfuit. Il s'enfuit, on a eu donc des morts. Enfin, pas de chez nous, donc les pirates sont morts, donc ça c'est bien. J'aurais peut-être préféré qu'on puisse les capturer, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, on va pouvoir avoir des armes. En bas. Toi, ça tombe bien, tu vas pouvoir t'équiper du pistolet. Équipé, là on va le ranger. Let's go. Alors, toi tu vas t'équiper du pistolet, ok. Et toi, tu lui enlèves les habits. Comme ça, on va pouvoir avoir des habits. Alors, moi je voudrais voir c'est qu'est-ce qu'ils ont comme habits sur eux. Ok, donc lui c'est bon. Mince. Lui c'est bon, lui c'est bon. Lui aussi. Celui-ci, ouais, je crois que celui-ci, on va devoir lui changer le haut parce qu'il a plus que qu'au 11, 11%. Donc je pense que 11% c'est le. Médiocre. Ok,
qualité médiocre. Normal. Voilà, on va pouvoir lui donner le normal pour lui. Voilà, on va laisser comme ça. Donc normalement, vu qu'il sera habillé un peu plus classe, je dirais, on va pouvoir avoir un truc un peu plus... Mais il sera un peu plus heureux, quoi. Ah oui, les pierres. Je voulais aussi enlever tous les pierres parce qu'on en a pas mal là. Il faut absolument qu'on les enlève, que ça fasse un peu plus propre. Voilà. Ensuite, donc là, faudra qu'on fasse ça. Donc c'est pas mal, on n'a pas eu de perte, on n'a pas eu de blessés aussi. Donc ça c'est cool. Donc lui il a plus rien de... Ok, c'est bien. Ça c'est pas mal. On va continuer à construire des trucs. Je veux pas être à la bourre de d'énergie. Hein. Je préfère faire ça. Ici, ici, là, là. Les visiteurs. Ok. Encore d'autres visiteurs. La nourriture, on en a plus beaucoup. Là, la croissance c'est à 0. On est à 61%. Ok. Température extérieure 14 degrés. Ça c'est bon. Pas trop que ça descend. Là, on va continuer à miner tout le coin ici. Voilà. Alors côté chambre, j'en ai deux disponibles, donc il y en a déjà un que je sais que je pourrais mettre. Équipement, là il n'y en a pas et là il y en a. On va mettre aussi le sol tout de suite en bois. Ici aussi. Voilà. Et là il faudra que je commence donc à construire. Alors énergie. Les câbles arrivent ici, c'est bon. Là, on va mettre ceci. Je vais faire pause un instant. Et je vais pouvoir lui mettre des trucs. Alors, ceci, on en aura besoin. On en aura besoin. Divertissement, non, c'est pas ça. L'énergie non plus. Production, table de recherche. Voilà. Et puis les autres tables, est-ce qu'on les met? J'hésite à les mettre. Ouais, hop, pourquoi pas, on va tout de suite les mettre, comme ça on est tranquille. Alors, celui-là, c'est table de tissu. Ça, c'est le forgeron. Le forgeron. On va mettre cette table. La cuisinière, ça c'est fait. Ensuite. On va pouvoir construire autre chose. Le frigo a été construit aussi. Hop. Donc là-dedans, il fait combien? 21 degrés. Donc faut absolument qu'il se trouve, allez, je dirais à 4 degrés. Donc 1 degré. 2, 3, 4 degrés. Donc là, normalement, ça tombe à 4. Donc là, on va voir un peu. Dès que ça tombe à 4, c'est bon. Alors, ensuite. Bon, on avance plutôt bien. Hein. Les tourelles vont être construites. Là, ils ont rapidement construit ceci, c'est pas mal. Ça, c'est très bien. Il y aura un moment ou un autre, faudra que je coupe ici peut-être. Je couperai peut-être ici et garder que des panneaux solaires que pour mes batteries. Donc là, absolument faire ceci donc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 batteries. Alors, on va faire comme ça. 1, 2, batterie.
Si je le mets ici comme ça, une batterie, une batterie, une batterie. Non, ça va pas. Voilà, regarde, je fais ça. J'enlève. Mince. J'enlève ça. Hop. Je mets une porte en bois. Hop. Je mets de l'électricité. Toc, toc. À peu près comme ça devrait aller. Et puis c'est bon. Là, on a donc deux lits. On va pouvoir mettre les lits médicaux ici. Voilà. Là, faut aussi que je commence à construire aussi ma zone de soins. Donc c'est parti. Mur en acier. Donc, hop. Non, je crois que je me suis gouré quelque part. Pause. Voilà, c'est deux. Comme ça. Et comme ça. C'est ça, hein, c'est comme ça que je fais. Tac, 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 tac. Ouais. Ok, de ce côté aussi. Voilà. De toute façon, là, c'est les ressources qu'il nous faudra. Non. Voilà, on va laisser déjà comme ça. Il nous faut aussi, je crois que c'est dans divers. Voilà, la balise commerciale pour pouvoir vendre et acheter des choses. Donc là, j'ai mis mon truc de stockage ici, mais je pense que je vais le changer. Je vais peut-être la mettre ici, voilà. Supprimer. Alors, zone de stockage environ ici. Voilà. Alors, je prends pas de morceaux, donc pas de rochers, pas de débris. Tout ce qui est nourriture, je ne vais pas le prendre. Ressources, pas d'alimentation. Enfin, pas d'aliments, je veux dire. Voilà. Voilà, ensuite la nourriture, on va tout de suite mettre le truc à stockage ici de nourriture. Là, on va stocker tout ce qui est nourriture. Donc, pas de ça, on va tout décocher et on va juste prendre ressources alimentation. Boum. Donc, il y aura toute la nourriture, tous les plats comme ça. Bon, ça sera mélangé, mais ça, on s'en fout un peu, hein. Donc voilà, ça on va pouvoir l'enlever. Supprimer, voilà. Et donc tout sera rangé ici. La température est de 4 degrés. Donc ça c'est bien. Faudra que je mette aussi un sol ici. J'ai deux colons qui font rien du tout. Trois colons. C'est parce qu'il a fini de construire. Et minage aussi. Donc hop. Tu mines ça, tu mines pas, tu mines pas ça par contre. Annuler. Ça, tu mines pas. Là, il y a encore de quoi miner. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, tu vas miner tout ce côté. Tac. Avec tout ça. Voilà, là on va faire donc des chambres. Vu que j'aurai pas de chambre en plus ici, c'est pareil, il faudra qu'il mine de ce côté. Je vais devoir refaire d'autres chambres ici. Donc voilà, alors. Là, ils vont pas construire vu que j'ai pas de ressources. Par contre, je veux qu'il y en a un qui faut absolument qui me transporte tout ça. Donc. Ouais, il est chasseur et il cuisine. Ok. Côté nourriture, je viens de voir que j'en ai plus du tout. Ah, là j'en ai 9, mais ça suffira pas du tout. Et ben, on va faire directement autre chose. Donc je vais déjà tout décocher. Et après,
je vais voir comment je vais régler tout ce petit problème. Donc, il me faut déjà un qui va construire et qui va réparer. Obligé. Ensuite, un qui fait que du minage. Ok, ensuite, il me faut infirmier, obligé. Donc il va être fermier et il va me transporter des trucs. Là, il me faut un chasseur et un cuisinier. On va mettre peut-être quelqu'un en. Bah, lui, il est en forgeron. De toute façon, je vais pas le faire tout de suite. Là, il va faire 4 forestiers s'il faut. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ensuite, je remets pause. Là, on va chasser. Oh, ils sont passés où? Non, ne me dis pas qu'ils se sont barrés. Ah, ça va, ils sont juste en haut. C'est bien. On va faire. Il y en a quand même un peu beaucoup là. Annuler. 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 Parce que si j'en fais trop et qu'ils me les tuent pas et qu'ils me les fait pas tout de suite, ils vont pourrir et ça sera dommage de gaspiller ça. Les cornes n'ont pas été enlevées donc. Il faut que tu me le fasses avant qu'il s'énerve parce que. Ah bah, je crois que c'est ce qu'il va faire. Ouais, voilà, il le fait tout de suite. Alors, ça, c'est génial. Ça, c'est ce qu'il fallait. Parce que s'ils voient que des corps tout le temps, ils vont être en colère et ça va pas. Ça va pas. Ça va pas aller du tout. Alors, 22 degrés, 22, 21. 21, 21. Dehors, il fait 18. Ouais, donc c'est bon. Le système de. La température a l'air d'être bon. On va continuer. Structure, hop. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Voilà. Encore un petit peu et je vais pouvoir ramasser tous les patates. Donc personne se met en colère, donc je pense que c'est déjà pas mal. Il faut absolument qu'il y en a un qui nettoie aussi, donc je vais mettre quelqu'un qui nettoie. Bah, le chasseur, s'il termine, je veux qu'il nettoie toute la saleté. Que ça soit un peu plus propre. Côté énergie. Ça m'a l'air d'être pas mal. Il a du mal à viser. Hein. Ok, lui il ramasse ça. Ça c'est bien. L'énergie, ok. La nuit tombe. Alors est-ce que on va avoir assez d'énergie pour toute la nuit? On va voir ça tout de suite. Contrebandier, un vaisseau se présente sous le nom de la crue, c'est un contrebandier. Est-ce qu'on peut aller voir ce qu'il vend? D'ailleurs, j'en ai deux, donc on va tout de suite. Moi, j'ai rien à vendre, hein, mais c'est juste par curiosité, je veux voir. Médicaments, bon, ils sont chers. La bière, ouais. Ouais, en gros, il n'a pas grand chose. Et le deuxième, c'est celui-ci, je crois. Alors, lui, le deuxième, il a des trucs. Ouais, la même chose à part l'armure. Ça peut être intéressant. Mais nous, ce qu'il nous faut absolument, c'est de trouver de l'argent. Donc, on va miner. On va essayer de miner un maximum. Là, je vois que j'ai presque plus de tombes. Hop, donc, je vais en installer avant que je sois à court. Ah, d'ailleurs, c'est quoi ça? Minerai d'argent. Eh ben voilà. On va pouvoir miner ceci. Donc ça tombe bien. On va le miner dès qu'on aura
Fini de récupérer des ressources. Hop, hop. Vas-y, accélère. Degrés 21, tant que ça monte pas plus haut que 20-21, ça devrait aller. Ensuite, nous on va devoir aussi penser à mettre une prison. Il a du mal à viser quand même. Mais bon, au fur et à mesure qu'il va l'utiliser, le pistolet, il va s'améliorer, donc on va laisser comme ça. Bon, il est blessé. Bon, ça va, on a pu récupérer ceci comme ressource, donc ça va. Ok, ben pour l'instant on se débrouille plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on ira loin dans cette partie, car ma première partie on est mort quand même assez rapidement, hein, je dois l'avouer, on est mort comme des merdes. Mais là, je trouve qu'on est plutôt bien parti parce qu'on a quand même pas mal de ressources dès le départ. Donc, ça peut être vraiment pas mal. Alors, le minage, il en est où? Donc, oui, il fait ça. Pause. Alors, vendeur exotique. On va voir juste par curiosité ce qui vont. Alors, qu'est-ce que tu as à vendre? Donc, des sculptures. Sculptures, pardon. Ouais, ça, on s'en fout. Télescope. Alors, un télescope pour faire de l'astronomie amateur. C'est un passe-temps amusant et relaxant pour un certain type de personnes. Télévision. Ils sont chers, hein, quand même. Putain. Lance-roquette apocalyptique. Médicaments avancés, alors c'est combien? Waouh! L'unité c'est cher. Punaise. Jetable. Il s'insère par le globe. Ouais, d'accord, ça c'est un truc médical. Ok. Bah faudra vraiment qu'on se fasse pas mal de ressources pour pouvoir les vendre. Obligé. Bon ben pour l'instant c'est très calme, hein. C'est pas mal. Il mine tranquillement. Il y en a un qui me rapporte toute la pierre, je crois. Ouais. Lui il continue à essayer de tuer. Parce qu'il s'est pas tiré. Est-ce que par hasard je peux avoir le pistolet c'est celui-ci qu'il me faut. Comment je fais pour abandonner le pistolet? Faut peut-être que je m'équipe du pistolet. Alors je vais m'équiper de ceci. Toi tu vas venir ici. Allez, allez, allez. Faut qu'il a la carabine, il va mieux chasser avec la carabine. Toi tu reviens ici, voilà, et tu te keep ceci. Toi, c'est bon, tu peux aller te coucher. Hop, voilà. La carabine est beaucoup mieux pour chasser les animaux. Donc on est plutôt bien. Là je vais construire une table. Alors une grande table, ça donne ça.
Voilà, rigueur, oui, je vais mettre ça ici. De toute façon, ça faut aussi que je change, ça faut que je pense à changer. Et je vais mettre des tabourets. Donc peut-être pas des tabourets en acier parce que ça coûte bonbon, hein. On va mettre du bois. Hop, 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 hop. Là, là, là. C'est bon. Ensuite, détruire. On va détruire tout ça. Détruire, voilà. Donc j'attends que qui me le fait. On a vraiment besoin de ressources, hein. La nourriture, on en a 152, donc c'est vraiment pas mal. Ça avance plutôt bien. Oh là là. Ok, génial. Ensuite, non, c'est pas ça que je veux faire. Là, je le mets donc remettre production, nourriture ici et peut-être on va pouvoir mettre. Hop, hop. Voilà, deux réservoirs. Et je pense que là, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Elle, elle nettoie, ça c'est bon. Donc là, il y en a juste un qui cuisine, mais s'il me fait pas la nourriture. Décharge, eh oui, c'est la décharge. Stockage. Les corps pourris et les cadavres. Pourris dans. Il faut absolument qu'il arrête de cuisiner là et qu'il me fait directement. Ça, c'est pour mettre en pause. Génial. Il va tout de suite m'occuper des cadavres des animaux normalement. Parce qu'il faut absolument qu'il les passe en premier, sinon ça va pourrir. Voilà. S'il les met au frais normalement, ça devrait pas pourrir. Pourrira dans 9 jours. Donc là, ça a 68. 9 jours. Là, ça diminue quand même. Mais je pense que ça ralentit le temps de. Ouais, ok. Voilà, il y a encore celui-ci. Donc heureusement que je le fais parce que sinon la viande ça serait du gâchis. Voilà. Et là je vais pouvoir reprendre arrêter la pause et là il va pouvoir faire directement de la nourriture. Donc c'est pas mal. Là il va prendre normalement la viande. Voilà. C'est ce que je veux, c'est qu'il passe la viande en premier. Impeccable. Donc la nourriture va monter, là tout a été construit, ça c'est génial. Température, ça reste stable. 23, ouais c'est bon. Gérer les priorités de stockage. Pause. Alors qu'est-ce que tu as? Alors vous pouvez régler la priorité d'un espace de stockage. Les colons rempliront ceux de haute priorité en premier. Ça, on s'en fout, vous gouvernez de la fortune de votre colonie. Au fil du temps, dans l'onglet historique. À la rigueur, ça, on s'en fout un petit peu. temps de travail. Ah oui, j'ai pas vu, mais là, il faut aussi que je lui mette ça. Comme vous pouvez le voir, ils l'ont mis en français. Après cette mise à jour, ils ont mis certains trucs en français, donc c'est pas mal. Alors ils font n'importe quoi, donc lui on va mettre cette fois-ci on va mettre des trucs pour qu'il travaille. Donc en fait n'importe quoi, je pense qu'ils vont faire n'importe quoi. Et on va peut-être laisser
Voilà. On va voir un peu comment ça se passe, comme ça. Ensuite, c'est quoi ça? Nouvelle zone. Alors ça, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Mais moi, ça ne m'intéresse pas tant qu'ils font le boulot que je leur demande. Après, je m'en fous. Il y avait autre chose. Je crois que c'est celui-ci. Est-ce qu'ils l'ont mis modifié. Ouais, donc là ici vous pouvez voir quel personnage vous voulez qu'il s'équipe. Donc en gros normalement il s'équipe normalement automatiquement. Quand ils ont plus d'habits par exemple et qu'il reste des habits, ils iront directement s'équiper des habits. Donc ça c'est bon. Et pareil pour tout ce qui est armes et tout ça, normalement ils iront directement s'équiper. Donc là vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez qu'il s'équipe. Donc si vous voulez des armures qui puissent porter des armures, bah vous les laissez cocher tout ça. Donc pour moi de toute façon ça ne m'intéresse pas non plus. Après ça reste normalement. Ça n'y a rien qui change. Historique. Richesse totale. Ouais, donc ça c'est nous, ça c'est pareil, ça nous intéresse pas plus que ça. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo ici. Et puis voilà, donc on s'est fait attaquer une fois, c'était rapide, c'était assez facile. On a toujours le problème de ressources, hein, il nous faut absolument du fer pour pouvoir. Et bien continuer à construire et tout ça. Donc on a encore pas mal de boulot à faire. Les défenses n'ont pas été faites. Les batteries, il faudra aussi les faire. Mettre des batteries donc pour les tourelles uniquement. Donc on a encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à plus.